Les États-Unis ont signé jeudi avec le gouvernement nigérian un accord pour la restitution d'environ 1 million de dollars détournés par déprier Alam Yesega, un ancien gouverneur de l'État de Bayelsa entre 1999 et 2005. Les faits remontent aux années où il était encore en fonction dans cette région de l'extrême sud du Nigeria. Selon l'ambassadrice américaine au Nigeria, il aura fallu 15 ans à son pays pour mettre la main sur les biens du défunt gouverneur. Déprié Alam Yesega est décédé en octobre 2015. Il avait été démis de ses fonctions pour des accusations de corruption. Jugé coupable, il avait été finalement gracié par l'administration du président Goodluck Jonathan. En contrepartie, tous ses biens avaient été confisqués au Nigeria, mais également au Royaume-Uni et aux États-Unis. Thank you.